Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Grotte du Barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 273 et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une bâche vinyle qu'on a achetée, qu'on va recycler, on va faire des trousses avec. Allez c'est parti! Et oui, aujourd'hui je recycle une bâche vinyle chopée à la réserve des arts et je vais me fabriquer des trousses. Je commence donc par coudre des chutes pour en faire des espèces de poignées. Hors caméra, j'ai découpé tous les morceaux de bâche vinyle et tissu pour la doublure, tout aux mêmes dimensions, 26 par 16 cm, et après avoir cousu mes chutes, je les découpe avec mes ciseaux de barbare. Je prends mon zip et dépose un morceau de scotch double face de 6 mm de large qui va m'aider à tenir les différentes pièces ensemble. Pas d'épingle ici, puisqu'elle laisserait des vilains trous dans la bâche vinyle. Comme d'habitude, vous trouverez tous les outils et matériaux que j'utilise dans la description, comme le scotch double face, mes ciseaux ou ma machine à coudre. Les deux tissus sont placés à l'envers par rapport au zip, aussi bien la bâche vinyle que la doublure. J'ai décidé de coudre 5 trousses magiques histoire de mutualiser un peu la machine, mais surtout de me permettre de m'améliorer. Le premier est toujours foireux, le deuxième un peu moins pire, et en général au cinquième, je comprends complètement comment faire ça de la façon la plus efficace possible. J'ai changé le pied de biche pour un plus fin, spécialement pour coudre les zips, et je fais une couture le long et le plus proche du zip. Coudre un zip, c'est intimidant, mais pas si compliqué que ça. Il faut d'abord coudre au plus proche des crochets du zip, et surtout quand on arrive sur la partie mobile, la déplacer pour avoir la place suffisante pour coudre. Mais à part ça, rien de bien compliqué. Maintenant que les 5 zips sont cousus, je replie les deux tissus et refais une couture pour avoir les deux tissus accrochés au zip et sans que le début du tissu soit apparent. Comme à chaque fois, je commence et termine par un coup de couture avant-arrière pour bien fixer le fil et la couture. Maintenant que la première face de notre future trousse est cousue, je vais refaire exactement la même chose pour la deuxième face. D'abord en fixant la bâche et la doublure à l'autre côté du zip avec du scotch double face. Pour cette application, le scotch double face est vraiment super utile. Par contre, attention, cela laisse des résidus de colle sur votre aiguille de machine à coudre, ce qui rend l'insertion du fil beaucoup plus chiant. Comme pour le premier côté, je commence donc par fixer le zip avec les deux morceaux. Je plie le tissu et repasse un coup de machine à coudre pour finaliser tout ça bien propre. Le travail sur la machine à coudre est très typé, et en général on ne voit pas un ours barbu utiliser ce genre de machine. Mais c'est bien dommage, parce que c'est un outil indispensable à avoir dans son arsenal de maker pour faire des trousses, des sacs, plein de trucs super utiles pour votre atelier. Maintenant que les deux faces sont attachées, je commence par coudre le fond de la bâche vinyle. Là, une simple couture standard suffit, un bon exercice pour faire un trait de couture bien droit et uniforme. Et maintenant, je couds le côté, en commençant par la bâche pour ensuite aller sur la doublure. Le passage d'un tissu à l'autre est un peu funky à gérer, mais rien d'impossible. J'ai intégré la poignée sur un des côtés pour qu'elle soit cousue avec le côté de la bâche, et pour le fond de la doublure, je laisse un espace confortable au milieu pour pouvoir tout retourner après. «
Comme j'ai vidé mes 3 canettes de blanc, je dois les recharger. Chiant, mais indispensable. Et justement, avec les dépôts de colle dans l'aiguille et aussi mes vieux yeux qui voient plus trop, impossible de remettre le fil dans le trou. Donc direction une mercerie du coin pour trouver un enfil aiguille. Bien pratique ce truc. Maintenant que mes 5 éléments ont été cousus, je vais marquer un carré de 40 mm de côté sur les 4 coins et pour ça j'utilise un gabarit. Et je découpe les 20 carrés de tissu de 40 mm de côté qui va me servir à donner la forme légèrement trapézoïdale à la future trousse. Et dernière étape pour la fabrication, coudre tous ces carrés qui ont été enlevés en plaçant les côtés bord à bord. Je commence donc par la bâche vinyle qui est le plus dur à manipuler et ensuite je couds les 5 doublures de la même façon. Maintenant que tout est prêt, je peux faire passer tout ça dans le trou laissé dans la doublure, mettre tout ça à l'envers en insistant sur les coins et les coutures. La bâche vinyle rend le processus un peu sportif, mais j'aime beaucoup le rendu des trousses, et particulièrement la durabilité du matériau. Étape finale, coudre le trou dans la doublure avec un coup de machine à coudre et hop, mes super trousses sont prêtes. Je mets un peu de papier craft recyclé pour donner la forme finale à la trousse, et pouf, 5 trousses qui sont prêtes à recevoir plein de trucs dedans. Bon alors, qu'est-ce que ça donne ces fameuses trousses ? Alors j'en ai fait plusieurs, j'en ai fait 5. Bon là je vous en montre que 3. Ah, il y en a une qui est tombée, c'est pas grave. Moi je les trouve plutôt stylées. Et surtout, bah, c'est recyclage à 100%. L'extérieur, c'est de la bâche vinyle que je suis allé acheter à la Réserve des Arts. Il y en a un à Pantin et un à Paris dans le 14e. Les zips, je les ai achetés sur Amazon, des lots. De toute façon, je vous ai mis les liens, bien sûr, dans la description. Et l'intérieur, puisque bien sûr j'ai fait une doublure, et la doublure, c'était du tissu qu'une gentille barbue qui fait de la couture m'avait envoyé il y a de ça quelques années. Elle m'avait fait un gros colis avec plein de bouts de tissu, c'était super sympa de sa part, et donc je trouve une nouvelle vie pour son tissu pour faire de la doublure pour mes trousses. Le design est plutôt pas mal, c'est suffisamment grand pour mettre plein de crayons, plein de trucs. On peut aussi y mettre d'autres choses, hein. Vous pouvez y mettre des petits tournevis, des trucs à droite à gauche, et ça permet de donner une seconde vie à du matériel qui est censé partir à la poubelle. Ici, c'était une bâche qui avait été imprimée, je pense, pour genre une journée porte ouverte d'une école. Moi, je l'ai un peu découpée dans le sens où on voit pas trop ce qui est écrit dessus, mais il y a des espèces d'écritures, de trucs à droite à gauche, et je trouve ça plutôt cool aussi. La chose qui est la plus dure à finaliser et à faire, c'est le zip. Le reste,
c'est pas très très difficile. Il faut juste bien sûr laisser un trou dans la doublure pour pouvoir retourner toutes les trousses et ensuite coudre la doublure, la fin de la doublure. Normalement on le fait à la main, moi je le fais à la barbare, à la machine, parce que déjà qu'à la machine je suis pas bon, alors à la main je vous raconte même pas. Bien sûr c'est un processus d'apprentissage, il y a quelques petites choses à régler à droite à gauche, et comme vous avez été sage, alors pas ces trousses-là, pas encore, peut-être dans les prochains jours, mais il y a d'autres trousses qui sont disponibles dans le nouveau shop qu'on a ouvert avec Sylvie, le shop de Cyberbarbitude. Vous pouvez trouver des trousses que j'ai créées, des comme ça, des recyclées avec des sacs cabas, et aussi vous pouvez trouver plein de trucs que Sylvie a tourné, que même que c'est vachement bien. Donc précipitez-vous bien sûr sur le shop et allez acheter 2-3 petites bêtises, vous verrez, c'est plutôt sympa. En tout cas, je suis plutôt content de mes créations. J'en ai fait plein, il y a aussi mes progénitures et celles de ma chérie qui en ont pris à droite à gauche, parce que c'est toujours utile, et c'est le but, faire des choses, recycler, faire du upcycling, comme ils disent, c'est trop bien. En tout cas, moi je deviens de moins en moins nul à la couture, et c'est vraiment pas mal, et c'est quelque chose qui est super utile pour n'importe quel maker de savoir-faire, parce que vous pouvez faire des trousses, des sacs, des choses pour mettre des bidules, et c'est vachement bien. Bien sûr, comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Tu peux bien évidemment laisser des commentaires. Et bien sûr, tu t'abonnes. Giga big up à nos amis barbutipeurs qui, tous les mois, nous envoient un petit peu d'argent, ce qui nous permet de nous acheter des fournitures pour pouvoir te proposer des épisodes encore plus géniaux. Un grand merci pour leur soutien. Voilà, c'est tout pour l'épisode 273. J'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné envie d'aller piquer la machine à coudre de votre grand-mère ou de votre grand-père. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.